Ça va les amis, moi impeccable, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo demandée par vous. Oui, ça a été demandé dans les dernières vidéos, alors je ne sais plus laquelle exactement. Ah oui, je crois que c'était dans les transpositions d'accords, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, 10 jours, 15 jours, je ne sais plus. Comment transposer les accords facilement. Et puis, grâce à vos commentaires, c'est pour ça, j'incite, et ne soyez pas timide, à laisser les commentaires, car vous échangez, vous proposez des vidéos. Et grâce à vos commentaires, vous m'avez suggéré une petite vidéo. C'était Christo, comment faire les barrés, comment comprendre sur le manche, quel barré, quelle note on joue. Eh bien, on va décortiquer tout ça. Ça va être une vidéo pour faire les barrés simplement, facilement, tout comprendre. Vous allez faire tous les accords que vous voulez grâce au barré. Oui, vous allez avoir mal à la main, mais c'est ça qui est bon. Allez, c'est parti, vamos. Très important dans cette vidéo de, bien sûr, on travaille sans capot d'astre et on va exploiter tout le manche, même si, je te l'avoue, d'être en barré vers la case 7, ça va encore, 8, 9, 10 à éviter, c'est très petit, autant prendre d'autres barrés d'une certaine manière, de ne pas aller trop bas, tu es moins à l'aise. Mais ça sonne beau à la case 7, 8, donc on va voir un petit peu les deux. Les barrés, tout le monde veut les éviter, mais après quand tu commences à prendre un début de niveau où tu as musclé tes doigts, où tu as fait le tour des accords et tu te mets le premier barré de côté, mais non, vas-y, fais-le ce barré-là, ce fameux Fa, où tu t'exploses la main, ben fais-le car après, grâce à ces positions-là, et tu vas descendre sur le manche, tu peux faire tous les accords. Alors là, avant de parler des barrés, vous allez comprendre une chose, et c'est très facile à comprendre. Si vous avez un niveau de quelques semaines, c'est facile à comprendre. Je vais me servir, pour que vous compreniez tous les barrés, de quatre accords que vous connaissez tous, et vous allez comprendre, car ces positions de ces quatre accords vont être très 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 importantes pour la suite des barrés pour comprendre. Donc, on va prendre l'accord numéro 1 et numéro 2, on va dire, on va aller sur un Mi. Vous connaissez tous le Mi, là, majeur. Et après un Mi majeur, tu lèves l'index et c'est un Mi mineur. Ben, grâce à cette position de Mi majeur, on va parler majeur et mineur, et après tu pourras faire les septièmes exactement pareil. Hein. Majeur, Mi majeur et Mi mineur. Cette position-là, tu l'imagines que tu vas barrer à la case 1 et tu vas reproduire, bien sûr, d'un décalage d'une case, l'accord Mi majeur, la position Mi majeur. Cette position-là, c'est comme en fait si tu avais un capot d'astre là. Hein, le sillé, c'est un capot d'astre. C'est comme si tu étais capot ici et tu fais une position Mi majeur. Eh bien, tu le décales, regarde cette position Mi majeur, barré à la case 1, et tu fais la position Mi majeur. Reste tout le temps en Mi majeur. Donc après Mi, qu'est-ce qu'il y a? Chaque case, c'est un demi-ton. Donc bien sûr, ça, il faut que tu le saches. De Mi, Mi, on est passé à la case 1 à Fa majeur, parce qu'on est en majeur. Mi majeur, Fa majeur. Et là, tu vas dire, c'est magique. En fait, quand tu sais le Mi majeur, le Mi mineur, et après, on verra une autre façon de trouver d'autres accords avec, bien sûr, la position La mineur en dessous et le La majeur. Et on verra, on se décalera d'une demi-case et on va trouver tous les accords grâce à ça. C'est pas magique, ça? Ça, c'est magique. Pour l'instant, le Mi majeur, position Mi majeur. Case 1, barré, position Mi majeur. Et après, tu vas t'amuser. Mais c'est cool. J'ai mon Mi sans barré. Barré 1, position Mi majeur. J'ai le Fa majeur. Et on va se décaler d'une case à chaque fois. Donc, on décale d'un demi-ton. Une case est égale à un demi-ton. Je l'avais dit dans d'autres tutos, dans d'autres cours. Après, bien sûr, tu es en majeur. Si tu étais en Mi mineur et tu veux décaler, mais tu fais la position Mi mineur, exactement pareil. Tu te décales et tu barres en 1, Mi mineur. Donc, c'est un Fa mineur, bien sûr. Si tu fais tout en mineur, position mineure, tu auras des barrés en mineur. Hein? Là, il n'y a pas de souci.
Mais on revient au majeur. Mi majeur. Position mi majeur, case 1, position mi majeur. Fa. Et maintenant, je décale d'une case à chaque fois. Fa. Majeur toujours. Une demi-case. Fa dièse majeur. Tu trouves cet accord facile. Encore une demi-case. Encore une demi-case. Encore d'une case. À la 3. Après Fa, Fa dièse, Sol. Tiens, j'ai mon Sol que je connais comme ça. Maintenant, grâce à ça, une sonorité différente, mais la même note. Case 3, position mi majeur, Sol. Sol dièse. Do, ré, mi, fa. Sol. Sol dièse. La. La majeur. Tiens, le La majeur. La dièse majeure. Là, il y a encore une facilité. Je suis à la 6. Et tiens, Do, ré, mi, fa, sol, la. Si. Après le la dièse, il y a si. Si majeur. Oh, je ne le fais jamais. Eh bien, tu peux te le trouver là. Le si, il est là. Majeur. Et bien sûr, on revient en do. Do. Do dièse. Ré. Toujours majeur. Ré dièse. Et après, bien sûr, tu peux continuer. Mais je t'invite pas à être mal à l'aise. Donc, tu as vu, quand tu étais à l'aise, tu peux facilement faire le Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse. Ok ? La, La dièse, Si et Do. À la limite, où tu es à l'aise, jusqu'à que tu sois un peu bloqué, normalement là, si pas le pan est coupé, je taperai au début de ma guitare. Donc à la limite, tu es vraiment à l'aise en La majeur, La dièse et un peu Si. Après oui, pourquoi pas le Do. Le Do qui est là. Exactement pareil. Et là, c'est magique. Grâce à cette position mi majeur, tu as tout trouvé. Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do. Bien sûr, si tu fais position mi mineur, c'est exactement pareil. Mi mineur. Eh bien, pareil, tu as trouvé un Fa mineur. Pareil, Fa dièse mineur, Sol mineur, Sol dièse mineur. Tiens, le La mineur. Qu'on fait beaucoup, La mineur, Sol, Fa, Mi. Le Sol et le Fa et le Mi. Grâce à ça, entraîne-toi. La mineur, Sol, Fa. C'est pas magique ça? Voilà. Donc entraîne-toi. Et après, tu connais Mi majeur, position, tu décales tout. Mi mineur, Mi majeur, tu décales tout. Mi mineur, position comme ça et tu décales. Hein, à chaque fois. Et aussi le Mi majeur, Mi 7 là, le Mi 7. Ben, tu fais pareil, tu fais la position Mi 7 et tu trouves tout. C'est facile, tu vas te régaler. Donc là, tu as remarqué que de Mi majeur ou mineur ou Mi 7, ce que tu veux, tu es à l'aise en trouvant le Fa dièse, le Sol dièse, le La dièse. Pourquoi pas si tu pousses un peu le Si et le Do, et tu es, après tu es un peu bloqué, pour être un petit peu plus à l'aise sur le Si, le Do, le Ré, et essayer de choper un Mi en barré, eh bien on va essayer d'aller autre part, et on va se servir du La mineur. Cette position La mineur qui est exactement pareil que le Mi majeur, mais de décaler d'une corde hein, chaque fois. Hein. Mi majeur était là, et quand on apprend la guitare, une corde en dessous de chaque doigt, Mi majeur, tu décales d'une corde, bien sûr tu es en La mineur à chaque fois. La mineur et le La majeur. Tu peux même faire le La mineur 7 ou le La 7. Après tu choisis tous les La que tu veux, que tu connais ici. Mais on va parler de La mineur et La majeur. Eh bien prenons le La mineur, cette position La mineur. On va faire exactement pareil. Chaque case, ça changera d'un demi-ton et en barré. Position La mineur. Je barre à la 1. Et maintenant, ma guitare commence ici et je fais mon La mineur. On est d'accord? Sauf que ce n'est plus un La mineur.
c'est d'un demi-ton, pas la mineure, donc la dièse mineure, bien sûr. Position la mineure, mineure. J'aurais fait un la majeur, ça sera du majeur. La dièse mineure. Après, si mineur, c'est pour ça. Si mineur, do mineur, do dièse mineur. Ré, tiens, tout à l'heure, on l'avait pas. Le ré mineur. Le ré mineur que tu connais là. Ben, t'en as marre. Après, tu le sais qu'à la cinquième case, en position la mineure, tu as ton ré mineur qu'on ne pouvait pas avoir au-dessus. On ne le trouvait pas. On a été trop serré. Donc là, do, ré, mineur, ré dièse mineur. Et à la 7, do, do dièse, ré, ré dièse, mi. Le mi mineur. Qu'on n'avait pas embarré, fallait aller impossible. Le mi mineur. Eh bien, il est à la 7, après tu apprendras par cœur, en position la mineure à la 7e case, il est là le mi mineur. Mi mineur, fa, fa mineur, fa dièse mineur, et sol, sol mineur. Regarde, on peut le retrouver. Tu peux faire ce que tu veux. Donc les accords que tu ne trouvais pas en mineur ou en majeur qui étaient durs à faire, ben, grâce au la mineur position, la mineur, tu trouves et tu trouves facilement un ré mineur ici à la 5. Alors après, tu fais exactement pareil. Alors bien sûr, c'est moins évident. Le la majeur décalé, c'est vrai qu'avec des gros doigts dégueulasses comme les miens, eh ben, faut bien les poser. Et moi, je fais très souvent le la majeur, le la septième. Le la septième comme ça, tu sais. Le la 7, il est ici. Ben, tu le décales, moi avec le petit doigt. Donc du coup, ça fait un la dièse 7. Mais là, ça fait un 6-7. Que je me sers énormément du 6-7. Avec le mi majeur 6-7 ou le mi mineur 6-7. Vous savez, dans les chansons. 6-7, et toujours pareil, tu décales. Si, do, do 7. Do dièse 7. Ré 7. Ré dièse 7. Et là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ben, le mi 7. Pareil. Mi 7. Et là, à la 7e. Mi 7. Alors, bien sûr, sur les flamencas, plus tu vas bas et plus un petit peu, ça fait un petit peu un grésillon. Ne t'inquiète pas, on est très bas. Si tu barres très bas, quand tu joues fort, ça peut un peu grésiller. C'est pas que ça frise forcément, mais c'est très souvent ça en entendant le son sur des flamencas. Bon, il y a le mi. Et c'est là que c'est magique. Tu vas pouvoir découvrir les accords que tu fais grâce au décalage de ton mi majeur, mi mineur 7, mi majeur 7. Tu fais ce que tu veux tant que tu as la base en haut du manche du mi mineur. Et après, tu fais ce que tu veux du mi majeur, des 7 et des 9, de tout ce que tu veux. Qui t'est possible dans la possibilité avec ton barré, hein, bien sûr, tu peux pas aller choper des accords de fou aussi, mais quoi qu'il arrive, mi majeur, mi mineur 7 et mi majeur, le mi 7, après la mineur, le la majeur, le la mineur 7 ou le la 7, eh ben tu peux en faire, mais je ne sais pas combien des accords grâce en décalant tout ça. Tu vas te régaler. C'est facile, je trouve, à prendre en compte. Le plus important, c'est ces positions de mi majeur, mi mineur, la majeur. Et tu mets des septièmes, que ce soit en majeur ou mineur, déjà, tu peux te régaler. Voilà, j'espère que tu as compris. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu n'as pas compris quelque chose. Propose une idée de vidéo si je suis capable de le faire. Il n'y a pas de souci. Mets un petit like, ça fait plaisir à la familia. Et abonne-toi et active cette cloche. Allez, bosse bien maintenant. Un abrazo! La cachimba en la mano, furón de noche de día, lo mismo y tal la vera, mora de la morelía.